Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça a été un moment vraiment exceptionnel pour moi. 45e donc cours avec Charles Jousseau. Je suis fier comme un paon et gai comme un pinson. J'ai pu travailler donc avec Gradé, t-shirt rouge. C'était passionnant et si je puis dire, impact, coup de pompe, quoique plus coup de genou, quelques coups de pompe au niveau des genoux. C'était fantastique. On voit vraiment que l'homme tient la route et on ne nous mène pas en bateau et que vraiment il nous respecte. C'est magnifique. Je dirais que je ne suis pas à même de vous dire ce qui est bon ou pas, mais mon problème est le suivant, c'est que quand un homme, avec tout le respect, toute la considération que j'ai pour lui et pour le travail qu'il a effectué de 78 ans, met un impact à chacune de ses frappes, l'homme est dans le vrai. Je fais réellement les distinctions entre lui et ses instructeurs. L'instructeur, certes, travaille et entre guillemets déroule, mais fait en sorte que techniquement, ça soit d'autant plus intéressant pour lui. Mais quoi qu'il en soit, quand on fait le parallèle avec Charles, c'est magnifique. C'est magnifique parce que si vous voulez, il n'y a pas d'ego, c'est vraiment, on est vraiment face à quelqu'un qui cherche à vous instruire et à transmettre quelque chose de qualitatif qui fait que, Charles ne subit plus. Charles n'abandonne pas. Ce qui fait que vous vous retrouvez vraiment avec des explications extrêmement qualitatives. Mais il n'y a pas, pardonnez-moi, même pas des explications, des applications extrêmement qualitatives. Je ne dirais qu'une seule et unique chose, merci à lui. Il ne l'a pas abandonné, il n'a pas voulu subir. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un Français merveilleux qui vous donne des éléments extrêmement qualitatifs pour ne pas vous induire en erreur, pour ne pas être dans l'illusion par rapport à ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un insigne d'honneur, c'est vraiment une fierté. Je ne dirai qu'une seule chose, merci. 45e cours, feu de Dieu, 45e cours, je me suis senti vraiment bien. Je n'ai qu'une seule et une chose à dire, merci Charles. Je n'ai que ça. C'est que ça à dire, quoi. Je veux dire, on ne peut pas, en allant voir Charles Jousseau et en pratiquant avec lui, tenir des propos, tenir des propos irrévérencieux. L'homme a fait quelque chose de proprement exceptionnel, il ne s'est pas raté et il a vraiment, il nous gratifie vraiment de quelque chose d'exceptionnel, de par le fait que je me retrouve aujourd'hui j'ai mis 29 ans d'une vie pour pouvoir rencontrer cet homme et non, c'est vraiment une joie sans commune mesure. Il m'est arrivé de rencontrer nombre de charlatans et là vraiment je suis aux anges. Ces instructeurs sont extrêmement bien formés. Il y a une espèce d'efficacité dans la bienveillance. On ne cherche pas à mettre un ego dans une frappe. On ne cherche pas à mettre une suffisance. C'est vraiment fait pour de l'instruction par le combat, par la violence. Et c'est vraiment fait pour être en mesure de commander, voire de contrôler sa violence. Je ne dirais qu'une seule chose, quoique je me répète, mais Charles Jousseau aujourd'hui, pour moi, ce qu'il vous apportera est le suivant. Avoir conscience de ce que vous faites. Prendre conscience de ce que vous faites et être en prise avec le réel. Là, vous vous retrouvez vraiment avec quelqu'un qui ne se moque pas de vous, qui n'est pas là pour vous induire en erreur et qui n'est pas là pour, entre guillemets, gonfler son ego. Donc, il n'y a qu'une seule chose à dire, chapeau. Je ne sais pas. Si j'arrive à voir quelqu'un qui tient des propos tendancieux sur lui, j'écouterai avec beaucoup d'attention pour voir qu'est-ce que la personne aura proposé. Mais quand vous avez un homme qui, avec 50 ans d'expérience, vous donne 50 ans d'expérience, il y a un moment donné, on se pose des questions. Si on est capable, si on fait mieux, tant mieux. Mais j'ai du mal à me faire à l'idée qu'on puisse faire mieux. Donc, quoi qu'il en soit, je ne dirai qu'une seule et unique chose, allez le voir.
allez le voir et c'est réellement du plaisir, c'est réellement de l'intelligence, c'est réellement de la pertinence. Et je dirais pour moi, cerise sur les gâteaux, c'est un Français. L'objectif n'est pas d'être chauvin, mais l'objectif est de vous dire que, étant en prise avec la réalité, étant, comment dire, je me répète, la prise est en prise avec la réalité, la prise de conscience et avoir conscience. Donc là, il n'y a pas à dire pour moi, il a mis très très haut et très très fort le mot estime. Merci. Bonne soirée à tous. Le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez.